Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien. Donc aujourd'hui, vidéo où j'ouvre les cadeaux. Déjà, je suis désolée, je filme cette vidéo en pleine nuit, je suis censée dormir. Mais voilà, je suis stressée, du coup j'arrive pas à dormir. Et du coup, j'ai décidé de faire une petite vidéo quand même. Et du coup, juste avant, je voulais quand même vous dire, waouh, il y a quand même 33 personnes qui ont acheté le look full diamant que Madame Toilette a fait. Bon. Bien sûr, je suppose que la plupart d'entre vous n'avez pas pris les mêmes couleurs. Oui, rends-lui son compte, lui rends son compte, sinon t'es mort. J'ai acheté le look, on va voir si petit poulpe l'a acheté. Est-ce qu'il aura acheté, enfin est-ce qu'elle l'a acheté? Je sais pas, mais en tout cas, hop, on va lui demander en ami, parce que bon, quand même, acheter un look full diamant qui ressemble à ça quand même, les gars. Je m'y attendais réellement pas, ça a été beaucoup plus acheté que Bon, après, pas le challenge Chiska, chacun fait le sien, donc je peux comprendre, mais par exemple, je sais pas, que l'imitation du pack de août, enfin ce genre de choses. Bref, ah oui, il y a quand même 249 personnes qui ont acheté l'imitation du pack de janvier. Bon, après, il a été, enfin, je trouve que j'ai quand même plutôt bien réussi. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, puisque aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons ouvrir des cadeaux. Il y en a pas mal à ouvrir, et bah ça charge, et... Nous allons... Oh mon dieu. je m'y attendais pas. Je m'y attendais, mais genre tellement pas. Oh non. Allez, des personnes aux cheveux bruns, enfin des brunes tout simplement. Donc quand on dit brune, normalement, ce sont les personnes qui ont des cheveux noirs, je sais. Mais là, on va ouvrir des personnes aux cheveux bruns, quoi. Pas des brunes forcément, parce que voilà. Mais juste avant, petite annonce, petite pause dans la vidéo, juste pour vous prévenir que maintenant j'ai une page Utip sur laquelle vous pouvez me soutenir gratuitement, donc le lien dans la description, je vous l'afficherai au montage, voilà, et sur laquelle vous pouvez tout simplement visionner des publicités pour me permettre tout simplement de m'aider à financer du matériel que j'ai besoin, que ce soit pour améliorer la qualité des vidéos ou des lives. N'hésitez pas également à me laisser un petit message à la fin du visionnage de la publicité, soit regarder une publicité, soit me laisser un message comme je vous le montre sur la vidéo, et dans lequel vous pouvez me mettre soit un petit message sympathique, enfin du moins je l'espère, soit carrément me donner votre pseudo MSP pour que je puisse vous ajouter sur le jeu ou vous remercier au moins. Voilà, merci beaucoup. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent encore une fois. Et du coup, c'est parti, malheureusement à cause du masque, on sait pas trop. Bah attends, j'ai envie de cliquer dessus au moins pour voir. Bah oui, forcément, look 15 de YouTube fait par Madame Toilette. Forcément, je vais l'ajouter en ami. Par contre, je ne peux pas ouvrir puisque c'est vrai que les cheveux de ce look sont jaunes pipi. Hein. En tout cas, voilà, je t'envoie une petite invitation quand même parce que bon, avoir dépensé des diamants pour me soutenir dans ma cause. Effectivement, ce look-là a été créé pour le hashtag soutien 15 pour mon piratage. Et bah écoutez, c'est parti, on va chercher les personnes aux cheveux bruns, je rappelle, donc pas forcément les brunes, ce serait mal le dire, là ça fait un peu acajou, mais on va quand même ouvrir. Oh, c'est quoi? On risque pas de le voir avec ce... cette tête d'ours, oh mon dieu. Mais d'ailleurs, en vrai, dites-moi, en vrai, soyons honnêtes, qu'est-ce que vous pensez de ce look? Que pensez-vous de ce look? Ça c'est moche, mais non, je suis pas moche. Alors, en même temps, c'est trop bizarre avec les tentacules qui sortent par en dessous, ça fait très le... très le pas très catholique en fait. Hein. Je t'adore, merci. Bon, à la fin, je pense que je remettrai le look de soutien du piratage, voilà. En fait, on va l'appeler le look du piratage, voilà. Le look du piratage, du soutien des personnes piratées en général et pas que pour moi. Là ça fait plus noir ou brun, vu que c'est un peu nuancé brun, on va l'ouvrir quand même. Et on continue. Ah, oh, je commence à avoir le rhume. Désolée, j'ai l'impression que j'ai bientôt éternué, mais oui, mais non. À un moment je pense que je vais éternuer, à un moment je pense pas que je vais éternuer, donc pour revenir sur le sujet de pourquoi je stresse, il y a des personnes qui me le posent en commentaire, je préfère y répondre tout de suite. En fait, je suis censée me lever dans quelques heures pour aller à un rendez-vous pour un tatouage,
Et du coup, bah, ça me stresse un petit peu quand même, voilà. Déjà qu'à la base, j'étais censée aller à ce rendez-vous bah, la veille du moment où, voilà, où je vous parle, sauf que le rendez-vous, il a été décalé. Et du coup, bah, moi, ça me stresse, parce que quand c'est ce genre de choses un petit peu stressantes, bah, justement, moi, j'aime bien que, en fait, les faire tout de suite, comme ça, c'est fait, après, je ne stresse plus. Et là, reporter, bah voilà, c'est comme si en fait t'as un examen et puis on le reporte au lendemain. Bah t'aurais bien aimé quand même finalement le passer l'examen et être tranquille et ne plus y penser après quoi. Et finalement non. Oh, il est 3h du matin au moment où je fais cette vidéo et Péline ne dort pas. Tu ne dors pas Péline. En tout cas merci beaucoup pour ta salutation, merci énormément. Je me demande si elle doit se douter que je suis en train de faire une vidéo où j'ouvre vos cadeaux ou pas, vu la ganache que j'ai, que le style, la stylisation que j'ai. Oh, ça va bien avec la tête de nounours. Bon, des fois, je sais que j'ouvre... Alors, attention, hein, on avait dit, pas les cadeaux bruns, les cadeaux des personnes aux cheveux bruns. Parce que du coup, c'est pas la même chose. Ce n'est plus du tout la même chose, sinon... Donc on a dit cheveux noirs, hein, pas cheveux bruns. Attendez, je reviens en arrière, j'ai loupé le cadeau de Kawaii. Kawaii Dark MSP. Voilà. En tout cas, merci à toutes les personnes qui me font des cadeaux. Encore une fois, je suis désolée, je n'arriverai peut-être jamais à ouvrir tous les cadeaux que je reçois. Parce que je reçois tout simplement trop de cadeaux. Donc vraiment, si vous voulez pas que votre cadeau se perde, ne m'en envoyez pas tout simplement. J'ai tellement de cadeaux de retard à ouvrir, c'est ouf. Oh, c'est trop beau. Oui, c'est trop beau ce haut-là. Il est trop beau. Ouf, c'est trop beau. Et le troisième cadeau de Jeanne. Oh, c'est trop beau. Merci beaucoup, c'est trop beau. J'espère que je passerai. Je me demande si elle passerait, elle veut dire... J'espère que je passerai dans une vidéo, peut-être. En tout cas, la coupe est très jolie également. Merci beaucoup. Ah, je vais éternuer, c'est pas possible. C'est trop mignon tout ça aussi. En vrai ça passe bien sous la robe. Il y a juste les chaussures là qui sont pas bien. Les chaussures du moment où j'ai marché dans le caca. Parlant de caca, il y a une madame caca ici. J'ai peur de son cadeau. Parce que bon, on va pas oublier. Mais bon hein, en général quand c'est des madame toilette, des madame caca, des monsieur caca et compagnie, et qu'en plus tu vois que le cadeau il est jaune et brun. Enfin voilà quoi. On s'attend mais en vrai oula, oh. Oh, merci beaucoup. Ah bah c'est Leila Hoffman, pourquoi ça ne m'étonne pas de Leila. Bon, on va le porter, bien évidemment. Casquette rouge, ça fait plaisir, ça fait plaisir. là, on va considérer quand même comme du brun. Même si des fois, j'ai un doute. Non, je préfère... On va rester avec la casquette drip, hein, quand même. Hein. Respecter la casquette drip, au moins pendant cette vidéo, quoi. Ce serait cool. En tout cas, merci beaucoup à Leila qui m'aide très régulièrement, qui vous envoie souvent des drips. Donc franchement, n'hésitez pas à aller l'aider. Ça, c'est très sympa aussi. Mais pour revenir au cadeau de Madame Caquette tout à l'heure, en vrai, le jaune comme ça, si ça viendrait pas d'une Madame Caca, on pourrait croire que c'est un très joli jaune. Mais là, venant d'une Madame Caca, bah, tu t'en doutes déjà d'avance que c'est en fait censé repris... Ouf. Oh non. En plus, le pire, c'est que c'est presque la même couleur à une teinte près, quoi. Et c'est pas la même personne, hein, je rappelle. Tout à l'heure, c'était Leila Hoffman. Là, c'est Clara. Clara 1, 2, 3, 7, 4. Je dis pseudo quand même en entier, si vous voulez aller l'ajouter et tout ça. Franchement, merci. Merci beaucoup. En plus, c'est d'une très belle couleur, les casquettes, les deux casquettes rouges qu'on a reçues, là. Franchement, de très belles couleurs, en plus. Est-ce que c'est du... Ouais, ça, on va considérer comme si c'était des cheveux noirs quand même. Non mais vous voyez, pour vous dire même qu'il y a des cadeaux qui se perdent dans mes cadeaux, ou s'il y a des rares, il y a des enfin, il y a des choses, des packs, il y a des... bah, comme vous l'avez constaté, des choses de la collection Drip. Donc franchement, ça m'embête, parce que je sais qu'il doit y avoir des perles parmi mes cadeaux, il doit y avoir des petites perles comme ça qui se promènent par-ci par-là, et que malheureusement, du coup, bah, ils se perdent parmi le tant de cadeaux que j'ai, quoi. Et apparemment, dites-moi aussi, cette coupe que je viens d'ouvrir avec les deux chignons, apparemment, maintenant, elle est de nouveau disponible dans la boutique.
fut un temps, elle avait disparu pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je dirais même. Et apparemment, elle est réapparue maintenant dans la boutique. Mais étant donné que je ne suis pas sûre, est-ce que vous pouvez me confirmer ou pas qu'elle est revenue dans la boutique ? Ce serait bien qu'elle y revienne, parce que franchement, à la base, c'était même pas censé être une coupe rare ou quoi que ce soit. C'était une coupe qui était apparue dans le... dans le thème fermier, un petit peu comme ça. Vous savez, le petit thème qu'il y a eu à un moment, il y a, pendant, je crois, c'était pendant l'été 2018. Et du coup, ouais, c'est une coupe qui était très appréciée, que beaucoup de gens avaient achetée. Chose que je comprends, même moi je l'avais achetée, heureusement je l'avais achetée, je crois que je l'avais achetée même en 2-3 couleurs. Parce que juste après, cette coupe, pour je ne sais pas quelle raison, parce que ce n'était absolument pas... Oh, elle me fait peur. Ce n'était absolument pas un thème rare, c'était un thème commun, un thème, voilà, comme un autre. Enfin, voilà, c'était un thème basique. Et du jour au lendemain, cette coupe est disparue de ce thème. Voilà, le seul truc qui a disparu du thème en question. Et on n'a pas compris pourquoi. Du coup, cette coupe a été un petit peu recherchée, parce que bon, à ce moment-là, on ne savait pas que cette coupe allait revenir. Enfin, du moins, confirmez-moi si elle est revenue entre-temps, mais beaucoup de gens m'ont dit, donc je pense que c'est vrai. Et beaucoup de gens recherchaient cette coupe, puisque franchement, elle était, elle est belle. Elle est belle. Si en plus elle est rare et elle est belle, franchement, t'as tous les points pour, quoi. Mais bon, maintenant, apparemment, elle est revenue, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas compris au moment, enfin, du moins, moi personnellement, je n'ai pas compris pourquoi elle a disparu à ce moment-là, quoi. Enfin, pourquoi ? Pourquoi ? Depuis tout à l'heure, j'allais dire, j'espère recevoir des chaussures pour remplacer. Bon, pas sûr que ce soit, que celle-ci soit plus belle, mais limite, je préférerais encore les brins. Les brins d'avant. Limite, je préférerais encore les brins d'avant, mais bon, on va pas... On va pas abuser non plus. Oh, ça c'est trop beau aussi comme pull. Bah, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là quand même au niveau des cadeaux. Et attendez quand même minimum. Bah Leïla, normalement on est déjà amis, oui. Mais bon, on sait jamais. Hein, Et Clara, bah quand même, elle m'a envoyé un drip. C'est minimum quand même que je l'accepte, quoi. C'est un très beau look. Vous voilà. Donc bah merci, merci Clara, merci Leïla et merci à toutes les personnes qui ont envoyé des cadeaux. Merci beaucoup à vous, je fais de très gros bisous et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Et comme d'hab, vous pouvez proposer une prochaine idée d'ouverture de cadeaux, enfin le thème d'ouverture de cadeaux pour la prochaine vidéo. J'ouvre vos cadeaux, voilà, gros bisous à vous, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo.